Bonjour chers lecteurs, c'est Massa. Donc je vais vous présenter une petite particularité qu'a News Republic. C'est en ce qui concerne les tags. Donc là par exemple je suis dans la chaîne High Tech. Bon, c'est normal si vous voyez rien, parce que là, de toute façon c'est pas très important. Ce qui est important c'est ça, c'est le petit N. Donc, je clique sur le petit N et là apparaît différents tags qui correspondent à l'high-tech. Donc vous avez Gizmodo, Apple, Android, Journal du Geek. Donc, vous voyez là c'est un affichage classique. Ensuite vous avez l'affichage sphère. C'est plutôt original. Enfin original oui et non puisque ceux qui comme moi ont du Winmo ou ont vraiment utilisé Winmo connaissent ce type de technologie qui existait dans SPB Mobile Shell par exemple. Donc vous voyez, c'est super fluide et ça permet de retrouver facilement des tags. Et donc par exemple, je vais aller dans... Tiens, on va en embêter quelques-uns. Sur le tag d'Apple. Et là, je vais avoir accès à toutes les news qui comportent le mot Apple. Donc c'est vraiment bien sympathique. Et si vous faites ça directement dans une news, là je suis dans le monde numérique, et bien il n'y aura que les tags de l'article. Et là il y en a quand même quelques-uns. Voilà, c'est une petite présentation assez sympa. Je dois dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pourtant je suis qu'avec mon HTC Hero, je suis toujours en 1.5, puisque j'ai une espèce de smartphone un peu bâtard, on va dire. Voilà. Bon, allez. Je vais écrire la fin de ce billet. Ciao.